Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu Need for Speed Unbound les amis. Et dans cette vidéo les gars, regardez, course de rue, limite de la ville, voiture à gagner, Aston Martin DB5 de 1964. Donc pour l'inscription c'est quand même 16 000 $, donc c'est quand même super cher. Et on gagne pas de dollars mais on gagne la voiture. Donc bon bah les potos, on va parier bien évidemment le plus cher. De toute façon il faut que j'arrive premier, donc il n'y a pas à chier. Donc voilà, on est parti. Voilà, donc la voiture, la petite Eclipse, je l'ai faite en mode Fast and Furious hein, la voiture de Brian O'Connor. Et on est parti les potos. La voiture de Brian O'Connor les gars, la petite Eclipse que j'ai faite dernièrement là, enfin d'un point de vue custom, hein, j'ai juste mis la livrée de Fast and Furious. Voilà. Bon maintenant il me reste tout le kit à mettre, mais j'ai pas assez de sous. Allez, go! Allez, 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 allez. Les gars, il faut que ça le fasse. Il faut que ça le fasse. Allez, je suis en deuxième. Allez. Voilà, je te ratterris dessus à toi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, allez, poteau, allez. Il faut que je reste en pole tout le long de la course. C'est ultra chaud, c'est ultra serré. Les gars, c'est pas la première fois du coup que je la fais. Allez, allez, allez. Putain, ils sont à l'affût, ils sont juste là. Ils veulent pas que je la gagne cette caisse, hein. Ils veulent vraiment pas. Ici, l'unité d'interception. On vient vous aider. Allez, 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 allez. Bien évidemment, j'ai la police qui se met. Qui se mêle à la course. Comme si j'étais passé en galère comme ça. Allez, faut que je reste devant quoi qu'il arrive. Là, on est pas mal pour le moment. On a fait la moitié de la course. Et ça peut très vite mal tourner. En un virage, ça peut être la fin. Allez! Casse-toi, toi. Oh putain, ça y est, ils arrivent. Oh, alors là, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez! Allez! ça 80% les poteaux. J'essaie de faire le max. Chef! Chef! Allez, allez. Oh putain, je leur ai mis une belle avance. Les gars, j'ai l'impression que je suis tranquille là. Oh punaise, tant mieux, tant mieux. Allez! Oui! Oui! Ah punaise! Les gars, c'est. Bah, c'était mon dernier essai, hein, tout simplement. C'était mon tout dernier essai pour être premier. Oh! Les poteaux, ça fait plaisir! Ça m'a mis une telle pression, vous savez pas comment. Oh là 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 là! Bon, alerte, je suis en full de chez full. Alors, quelle est la voiture que j'ai gagnée? Voilà, c'est ça, on va de suite aller voir ça, les gars. Remporter des courses. Ok, donc nous, on va aller ici. On va aller voir un peu cette voiture. Alors, par contre, je vais éviter l'hélicoptère à tout prix. Hein. Je crois que j'arriverai pas. J'y arriverai pas, j'ai plus de noces. Ok, donc je suis obligé de faire demi-tour. Quoi qu'il arrive, c'est bon, l'écho est passé. Ah, c'est fait exprès. Regardez, il est juste là-haut. Ah, salut mec. Alors, est-ce que je pourrais pas passer par là, par exemple? Attendez, hop. Là, il y a une petite planque. Ah. Ça c'est buenos.
Allez les gars, allez, parce que j'ai 19 000 balles quoi qu'il arrive à cagnoter dans mon garage avant de les perdre. Oui. Oh les gars, c'est bon, belle, j'ai validé ça, ça fait plaisir. Bon, 19 000, c'est validé. Olé, stylé. Et maintenant, voilà, l'Aston Martin DB5. L'argent commence à rentrer. La petite croisade de Madame le maire contre nos courses, c'est bon pour les affaires. Tout le monde parle d'échantillon, si ok. Continue, je vais devoir refuser des clients, moi. Hey, t'entends ça ? Oh oui, pas mal, et déjà tout remonté et tout. Ah, pas mal, pas mal. Donc, on est en A+. Alors, les stats, ça donne quoi ? On est sur une puissance de 377 chevaux, un couple de 391. Bon, ça marche. On la prend, vite fait, juste pour écouter un peu le son. Allez, on achève de là. Ouais, si vous voulez, peu importe, on s'en fout. Ok, ah, attendez, c'était quoi ça ? Récompense 3000. Faible risque, ok. Sprint à la Skyline. Ça peut être pas mal. Allez, on s'échappe de là. On sort vite fait, juste pour écouter un peu le son du véhicule. Bon, en tout cas, ça fait super plaisir. Voilà, un nouveau véhicule en plus. Mais bon, les gars, c'est tendax hein, d'avoir des sous dans le jeu. Tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais... Attends, laisse-moi deviner. Hé, hey, l'artiste, il y a une course de qualif bientôt, alors mine-toi. Oh, par contre, ça a l'air d'être une belle petite charrette. Hein. Je vais me faire un petit burrito. À plus. Oh, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Olé, ça drifte bien. Presque tout bon. J'ai pas envie d'un burrito, je vais plutôt partir sur un petit ceviche. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'elle se teste celle-là pour qu'on écoute un peu le bruit du moteur. Voilà, merci. Alors, écoutez-moi ça, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, une DB5 remontée version what the fuck, les potos. Bon, en tout cas, c'est cool. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer cette petite épreuve. Comment débloquer bah, cette DB5. Les gars, c'était pas de tout repos, je vous avoue. Ils m'ont mis une bonne, bon petit stress quand même. Hein. Voilà. Bon, allez, sur ce, les potos, je vais arrêter la vidéo là. Ça sert à rien que je la fasse durer. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié me voir galérer comme ça et me voir en panique complet. Les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Discord, vous avez ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming et Burn Contreur. Sur ce, je vous dis bon game à tous. Attendez, on va faire un petit démarrage en trombe et boum. Allez, à plus les amis, à plus. Ciao.